Le président de la Fédération béninoise de handball, Sidiku Karimou, a effectué dans l'après-midi du mardi 9 juillet 2024 une visite de courtoisie au groupe de presse de Béninois Libéré. Il a été chaleureusement accueilli par le promoteur du groupe de presse, Aboubakar Takou, en compagnie du personnel en même temps, à l'œuvre pour immortaliser ce moment inédit. Le président Sidiku Karimou a eu donc droit à une visite guidée des différents compartiments du siège de ce média par le directeur général du groupe de presse, Akilou Yakubu. Salle de production où se déroulent les montages ainsi que le studio, l'honorable Robert Guyan de BL TV, la salle de rédaction, puis le grand studio Abdoulaye Bio Tchane sont entre autres les différents endroits visités par l'hôte du Béninois Libéré. Et comme s'il faut toujours savoir mettre à profit toute occasion qui s'offre à vous, une émission a été improvisée dans le studio Abdoulaye Bio Tchane afin que le président Sidiku Karimou puisse opiner sur certains sujets d'actualité en plus du handball béninois. Une idée judicieuse car au cours de cette émission, il a exprimé son admiration pour le groupe de presse de Béninois Libéré avant de parler de sa politique à la tête du handball béninois, des échanges avec l'amicale des anciens handballeurs de la promotion 1975-1985, de sa vie de chef d'entreprise et de patron de presse, de la nouvelle mandature de la HAC et de donner des secrets de réussite pour la jeunesse. Croyez en vous, personne ne viendra ouvrir votre tête pour mettre la volonté dedans. Il faut avoir beaucoup de volonté. Il faut utiliser Internet à bon escient. Il y a le temps du ludique, mais il y a le temps aussi du non-ludique où il faut apprendre, il faut progresser, il faut essayer d'essayer de faire autre chose. Je pense que l'une des choses que j'ai appris aussi, c'est qu'il faut apprendre à voyager. Je pense que nos frères, si nous pouvons, ceux qui sont au sud, les envoyer en vacances au nord, comme on le faisait, que ceux du nord viennent au sud. Et surtout, que nous n'ayons pas peur des autres cultures. Quand aujourd'hui, je suis sûr que si on fait un sondage ici, on aura 80-90% de gens qui, pour jusqu'à 500 000, 1 million, ne voudront pas aller à Lagos à cause de la langue, à cause des stéréotypes. Alors qu'il faut, c'est au contact avec les autres qu'on apprend. Il faut voyager tant qu'on peut, rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles cultures, en retenir ce qu'il y a de bon, laisser ce qu'il y a de mauvais. Nous avons tous du bon, nous avons tous du mauvais. Je pense que dans les voyages, dans les échanges, dans les rencontres, on gagne beaucoup de choses. Marque d'amitié et de fraternité envers le groupe de presse Le Béninois Libéré, cette visite s'est achevée avec une eau de satisfaction, avec la promesse d'un lendemain meilleur.